Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je propose des magrets de canard au miel. Alors, pour cette recette, ici, vous avez deux magrets de canard. Il vous faut 3 cuillères à café de vinaigre de cidre. Moi, j'avais plus de vinaigre balsamique. D'habitude, je le fais avec ce vinaigre-là. Et là, j'ai 3 cuillères à soupe de miel. Eh bien, c'est parti pour la recette. On va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré. Je ne vais pas attendre la fin du préchauffage, je vais tout de suite mettre mes magrets de canard dans ma cuve. Le préchauffage vient juste de se terminer. Là, je vais laisser encore 3 minutes en fonction doré côté pot. À 3 minutes de fonction dorée, je vais retourner mes magrets sur l'autre face et là je vais laisser seulement 2 minutes. Donc là j'étais en fonction dorée, mon timer m'a dit 3 minutes et à 5 minutes j'arrêterai mon cookie. Allez, je réserve mes magrets de canard pour les couper en tranches. Voilà, mes magrets sont coupés en tranches. Je vais les recouvrir d'un petit papier d'alu pendant que je finalise la recette. Je vais maintenant ajouter dans ma cuve le vinaigre. Attention, ça précipite tout la marmite. Je vais ajouter le miel. Alors on mélange tout ça. Maintenant, je vais replonger mes tranches de magret dans ma cuve. Et là, pour le reste de la cuisson, ben c'est vous qui voyez en fonction de la cuisson que vous souhaitez. Si vous voulez que ce soit plutôt rosé, bien cuit, mi-cuit, généralement le magret, ça se mange plutôt rosé. Mais bon, après, chacun ses goûts. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser et vous dire à bientôt pour d'autres recettes au cookéo. Thank you.